Et maintenant, mesdames et messieurs, Téléimage vous propose en exclusivité cette interview que nous a accordée M. Jerry Tardieu. Barbara de Retour au Pays a réalisé cette interview avec Jerry Tardieu à l'hôtel Oasis lui-même. Assis devant l'édifice de l'hôtel, des questions ont été posées à M. Jerry Tardieu qui a répondu à ces questions. Et toutes sortes de questions, évidemment, on présente Jerry Tardieu, qui il est, le personnage, l'investisseur, l'entrepreneur et aussi l'écrivain, puisque son livre récemment sorti, un livre à succès d'ailleurs, qui a fait beaucoup de succès. D'abord la vente signature à l'hôtel Oasis à Port-au-Prince et ensuite en Floride. Un succès pour ce livre. On attend toujours cette vente signature ici à New York. Jerry Tardieu sera donc dans nos murs ici à New York pour la vente signature de ce livre. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Ils ont parlé de ce livre. Des questions ont été posées autour du livre. Et ensuite, Barbara, à juste titre, a trouvé le moment de poser à Jerry les questions importantes. Comme par exemple, est-ce que vraiment, nous-mêmes dans la diaspora, nous allons retourner dans le pays nous, pour nous investir? Jerry Tardieu, finalement, son exemple, son pionnier dans affaires investies en Haïti. Belle réalisation, ça, qui fit dans le cœur Pétionville, ou à l'hôtel Oasis, son inspiration pour un pile monde. Mais est-ce que pour tout bon vrai, il est facile pour investir? Est-ce qu'investir en Haïti, ce n'est pas pour un groupe monde, pour une série de monde, ou bien pour étrangers, hein? Blancs, si nous voulons dire? Est-ce que Haïti est un natif natal qui est en Haïti ou bien qui est à l'étranger, nous-mêmes dans la diaspora, est-ce que nous-mêmes tous nous avons investi en Haïti? Est-ce que la facile? Qui j'en sais qu'a fait? Nous allons apprendre tout ça et nous allons peut-être joindre en partie ou dans son intégralité, nous avons besoin de réponses à la question. Nous souhaitons. En tout cas, dans la même interview, ça, Baba a tout pour profiter, m'a dit Jerry Tardieu, parce qu'on est l'homme qu'on a fait dans le pays, ou a investi, ou très impliqué au niveau social, ou a fait parler de où. Il y a des gens qui pensent qu'on a une ambition politique. Est-ce que Jerry Tardieu a des ambitions politiques? Puisque l'élection a venu très bientôt là, Baba a te posé la question à tout. Nous allons suivre l'interview, ça. Avec un peu d'intérêt, s'il vous plaît, râlez chez Bano, chita devant l'écran télévision, ou bien devant l'écran internet, non? Nous-mêmes, à travers le monde, qui n'a diaspora haïtienne, nous prêts à apprendre en pile de nos citoyens haïtiens, qui est même tout dans la diaspora, il fait études à l'extérieur du pays, il retourne, il croit en pile dans le pays. C'est un optimisme, M. Jerry Tardieu. Nous parlons pour qui ça? Il croit dans le pays et il gagne. Enfin, les mêmes gars dit, il gagne qui choisit pour le montrer. Ça le fait pour tout bon vrai. C'est Youn, un promoteur, investisseur, hôtel Royal Oasis. Ou même qui investit en Haïti, ou même qui pourquoi investit en Haïti, on va l'apprendre. Jerry Tardieu, au micro de Barbara Saint-Louis, à Pétionville, à l'hôtel Royal Oasis. À nous suivre. Téléimage présentement en Haïti à l'entrée de l'hôtel Royal Oasis à Pétionville où nous avons le plaisir de rencontrer M. Jerry Tardieu, un entrepreneur exceptionnel, un homme d'affaires à faire confiance, hein, qui inspire de la confiance. Alors, j'aurais pu dire même, à part de ça, auteur de 4 ouvrages, pas vrai, Jerry? Oui, effectivement. Et je peux même ajouter un bel homme. Oh ouais, parce que... Valérieux là. Écoute, un homme très sympa, vraiment, et merci. Beaucoup de talent. J'ai eu la chance de te rencontrer avant même l'interview, Jerry, et je dois te dire franchement, et moi dit Valério, bon, connais-moi pour qui ça me t'ai choisi, Jerry, parmi les 10 de 10 sexiest Haitian men in 2013. Oui, c'est vrai, je te dis là. C'est parce qu'on va te connaître tremblement de terre, t'es déjà passé sous moi. Mais écoute, Jerry, c'était vraiment bien pour le monde qui t'a gardé peut-être émission Téléimage, et t'es carré. So, c'est maintenant que je fais connaissance avec Jerry et je suis très enchantée. Merci, merci. Alors, Jerry, pour le monde qui peut-être pas connaître Jerry Tardieu, qui est Jerry Tardieu? On va commencer premièrement par faire ample connaissance avec Jerry. Bon, et merci. D'abord, je te remercie d'être à Oasis. Mm-hmm. C'est là qu'on n'a pas besoin de souhaiter au bienvenu. Ah oui, c'est là qu'il y a tout haïtien qui vit dans New York, tout qui fait l'hôtel ça. On a pensé à cet hôtel comme étant le lieu, l'hôtel, la maison de référence des haïtiens vivant à l'étranger. Mm. Donc c'est avec plaisir que nous recevons Valérie avec tout le monde qui veut venir descendre en Haïti dans l'hôtel Royal Oasis. Mm-hmm. Et je te remercie aussi de m'avoir choisi en 2013 parmi les 10 hommes les plus sexy d'Haïti. Sauf que l'être de même de thé a fini de passer sur le bazar. Je ne vais pas assister à tirage à Nizan. Non, non, on ne sait jamais. Hein. Après l'interview, on m'a forolé. Ok, Jerry. Donc je vais peut-être simplement répondre à ta question en quelques mots pour dire. Mm-hmm. Bon, Jerry Tardieu, je sais qui est, mais moi, je suis haïtien, 47 ans d'âge. Ah ouais, très jeune, hein? 47 ans, relativement jeune. Un ancien jeune, on pourrait dire. Parce que, je dirais que je suis haïtien qui aime mes pays, qui croit dans le pays, qui investit dans le pays et qui investit tête-li dans le pays.
Alors, Jerry, pour en venir, sans t'interrompre, c'est intéressant à dire, ou investir pour investir tête ou. C'est le titre même de ton ouvrage. Hein? On va en venir, investir, c'est investir en Haïti. Oui. So, comment tu as pu faire ça, Jerry? Bon, parce que... investir, pour pas investir tête ou, pas vrai? Exactement. Moi, okay. Moi, c'est que investir, si on pas investir tête ou dans un pays, c'est pas ça qui est important. Ok. Quelqu'un peut avoir de l'argent investi dans un pays et ne pas faire une différence. Okay. Moi, c'est que pour faire une différence dans un pays comme Haïti, il faut que non seulement on soit capable d'investir là-dedans sur les moyens faits, il faut être capable d'inciter l'autre monde à venir investir là-dedans, il faut être capable de mettre avec l'autre monde pour investir là-dedans, mais surtout lorsqu'on investit là-dedans, il faut être capable d'investir tête là-dedans. Okay. Pas seulement investir dans la commune, dans le business qu'on investit là-dedans, mais investir dans la commune, là, dans une petite participation, qu'on est ça qu'a fait au niveau mairie, qu'on est ça qu'a fait au niveau député, commune, qu'on est ça qu'a fait au niveau de ville, côté où on vit là. Essayez de regarder côté. Capoter bourré, dans aider, dans aider sur comment on gérer la question de circulation, question de l'eau, question de l'école. Donc c'est nous-mêmes, c'est ça nous fait dans Pétionville. Ou alors, ils sont un bel hôtel dans Pétionville, cap desservi Haïti, cap rehausser l'image d'Haïti dans le tourisme mondial. Mais nous sommes très impliqués dans le social. Tout ça veut dire nous cherchons qu'on ait qui problème nous, comment nous sommes capables d'aider au niveau des jeunes, au niveau des écoles, au niveau de la culture, au niveau de l'art, au niveau du sport. C'est ça, les investir tête dans nos pays. On va investir dans nos pays, c'est ça nous fait dans Oasis, et on investit tête dans nos pays. Ça veut dire chercher qu'on est comment capable de participer dans le bien-être collectivité. Parlons un petit peu de l'hôtel même. Et l'idée de faire hôtel ça, c'est de qui est-ce que l'idée est venue alors avec d'autres capables d'investisseurs et tout ça? Oui, écoute, l'hôtel Oasis, et même quand. En pile monde, c'est moi-même, ouais. Faut nous connaître que l'hôtel Oasis sont un effort collectif. Son projet haïtien qui mettait en pile haïtien autour d'un table qui était décidé de faire. Moi-même, c'est pour moteur principal. Et c'est moi qui ai une idée, c'est moi qui ai conçu, c'est moi qui ai fait plein d'études là. Mais après ça, du moment que je me suis mis sur papier, je suis obligé à le dénoncer de l'autre monde qui même j'en avais quoi dans le pays. Okay. Et c'est tout le monde ça, qui ensemble décidé pour nous chita et puis pour nous concevoir l'hôtel Oasis. C'est pour ça que Oasis, je dis, allait exister. C'est parce qu'il y a des Haïtiens de la diaspora comme des Haïtiens d'Haïti qui actionnaient. Il y a des Haïtiens de la province comme des Haïtiens de la capitale. Il y a des entrepreneurs comme des professionnels. Il y a toute couche sociale qui participait dans l'actionnariat Oasis. Donc, je me toujours dit ça, Oasis, c'est un projet national et c'est une fierté nationale. Combien d'employés? Ça veut dire que nous connaissons que c'est définitivement, il faut qu'il y ait un pile d'employés dans l'hôtel là et ça crée du travail, hein? Job pour tout le monde. Ça, absolument. Ça, c'est... Gagnez au moyen de 500 employés qui travaillent ici. Et dépendant tout de l'activité que nous gagnons, vous connaissez l'hôtel là, vous avez plus de femmes de chambre. Vous connaissez plus d'événements, vous avez plus de monde qui viennent servir dans l'événement. Vous avez plus de cuisiniers, vous avez plus de serveurs, vous avez plus de barman. Et ce n'est pas surtout l'emploi direct qui est important. Et nous avons aussi créé beaucoup d'emplois indirects. Ça veut dire que ici, dans cet hôtel, nous achetons tous les jours de la nourriture de fournisseurs locaux. Nous achetons salade, nous achetons fruits, nous achetons légumes dans mes paysans Keskov, dans mes paysans Value, dans mes habitants, dans mes gens qui sont Gonaïves. Donc, en quelque part, nous faisons différence dans l'affaire économique. Et tant les emplois directs que les emplois indirects, nous avons eu un impact important sur l'économie de Pétionville en elle-même. Je vois. Alors, pour les gens qui ont gardé, parce qu'en plus de monde, ouais, ça c'est un gros investissement, hein, voyons. Oui. Et le livre même s'appelle Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Oui. Pour les gens qui ont gardé Kounia et qui peut-être t'avaient venir investir dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est un risque à prendre, hein? Ou bien on pensait que c'est le moment idéal même pour investir dans le pays d'Haïti? Je pense que c'est le moment idéal. Ah oui? Pour qui ça me passe, c'est le moment idéal, c'est parce que je pense qu'il y a une bonne initiative positive qui a fait dans le pays. Je pense qu'il y a une nécessité pour que ces coûts qu'on soit capable d'investir pour miser sur le futur développement d'Haïti. Et toutes conditions, pas j'aime toujours réunir pour venir investir dans aucun pays. En Haïti, quand c'est un domaine, quand c'est un mas, quand c'est un bad. Mais si on attend que toutes conditions réunies pour investir dans le pays, on pas jamais investir. Si nous-mêmes nous t'attendons que toutes conditions étaient réunies, nous peut-être pas jamais aujourd'hui arriver pour nous réaliser Oasis. Donc moi même message que j'ai pour Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est que essayez de garder pays à l'autre gens. En plus nous qu'on garde des problèmes, regardez que qu'on a une fenêtre d'opportunité côté que un environnement propice aux affaires, côté que gagne une nécessité pour investir dans plusieurs secteurs d'activité. Comme quoi? Tourisme c'est une. OK. Agro-industrie sont l'autre. Différents services. Je pense que ça a son secteur. Bon, différents services englobés en pile bagaille. La sous-traitance, la production nationale,
Il y a vraiment beaucoup de secteurs en Haïti qui sont des secteurs porteurs et des secteurs d'avenir. C'est des filières à exploiter. Même toujours dit que la culture, l'artisanat haïtien, c'est aussi, je pense, un secteur qui peut être utilisé à des fins d'exportation. Okay. Ça veut dire que moi-même, ça toujours fait rire les mâles Martinique ou bien les mâles République Dominicaine ou bien les mâles la Guadeloupe et puis l'Europe marché. Et pour voir que qui ça mounio à vendre dans une zone commerciale, c'est de l'art haïtien. C'est de la peinture haïtienne, c'est de la sculpture haïtienne. Donc ça veut dire que tout pays qui a une vocation touristique, c'est la caille nous, ils viennent chercher objet d'art pour les vendre touristes qui viennent la caille. Donc moi-même toujours dit qu'il y a un marché en Haïti pour qu'on moun sérieusement capable d'investir dans la production, agriculture à des fins d'exportation. Même si ça me pensait, et il y a l'autre secteur, je parle de ça dans le livre, il y a un pile secteur d'activité important pour tout le monde qui a investi, qu'on va vendre dans le livre. Accès de crédit, parce que tu as commencé plus ou moins à lire un petit peu le livre là tout. Et est-ce que il est vraiment difficile pour les gens qui veulent commencer un business ici, pour commencer un business là, et pour jouer un crédit tout, est-ce que banque vraiment, si on sortit de l'étranger, est-ce qu'il y a bail au crédit, comment ça se fait ici, Jerry, ou même qui n'a business? Qui n'a milieu. Il y a milieu. Bon, bonjour, Baba. Et pour être sincère, accès au capital en Haïti, c'est bail qui est plus difficile. OK. Ça veut dire que n'est pas facile pour monde même si on a une bonne idée ou un bon projet pour joindre l'argent, notamment dans les banques commerciales qui sont très conservateurs. OK. Ça veut dire que pas prêter monde facile et puis pas prêter monde qui pas capable garantir. Cependant, nous pas faire banque on tout parce que banque travaille dans un environnement difficile, de une bonne contrainte qui fait que eux même pas capable prêter l'argent aussi facile qu'on a pensé et à un taux qui est abordable. Donc moi même qui ça me pas capable comme suggestion ou recommandation. Moi c'est que son Aïe, c'est qu'à vivre l'autre bon vie investi dans le pays. Il faut d'abord mettre ensemble avec tout le monde qui a un petit capital, qui a une disponibilité, qui a une possibilité, pour eux-mêmes venir avec un premier apport. Un bon projet en Haïti, qui est bien planifié, qui est bien écrit, qui est bien pensé, qui a au moins 50% de capital là qui est assuré, moi-même, je garantis que les banques financières locaux, ils ont gardé le. On gère positif. Okay. Donc, moi, je pense que c'est pour nous qui dit comme ça, c'est pas possible parce qu'on a Haïti, bah, c'est difficile. Okay. C'est pas pour nous qui dit comme ça que, bon, et la bataille est perdue d'avance. Okay. Moi, je pense qu'il faut d'abord un bon projet. Ensuite, il faut avoir des bons partenaires. Il faut ensuite peut-être une partie du capital. Et ce qui est le plus important, il faut le drive, le désir, l'ambition de vouloir faire quelque chose. Parce que je me toujours dit, il faut qu'on rêve derrière tout projet. Ici, il y a un gardé là, son rêve que lui. Même toujours dit au monde, plutôt rêver en couleur ou atterrir en noir et blanc. Mais rêver quand même. Tout grand projet commence par un rêve. Même si on dit ou fou. Moi même m'a dit Barbara. Yo te dit m'te fou, là m'te commence à penser projet c'est Oasis là. Ah oui. Même j'ai entendu ou pas de bien en tête ou l'autre choisi m'a dit Disney. Alors ça son blague. Ah oui. Sérieusement Barbara, gen des moun qui toujours là pour questionner rêve au monde, pour questionner ambition au monde. Or, le rêve n'a pas de limite, Barbara. C'est vrai. Et tout commence par un rêve. Et si en Haïti, on savait comment rêver davantage, on aurait pu produire davantage. Au niveau du secteur privé, je toujours dit ça dans toute confiance. C'est qu'au niveau des hommes et des femmes d'affaires de ce pays, il y a un manque d'audace, il y a un manque, il y a un passif quand il s'agit de la foi dans l'avenir, quand il s'agit d'avancer. Parce qu'avec la foi, avec le rêve, avec l'ambition, avec l'audace, on peut bousculer des montagnes. Donc moi-même, je crois dans ça. C'est parce que nous croyons dans le pays, nous avons investi là-dedans, nous avons espéré que l'autre monde qui croit là-dedans, c'est comme ça. Parce que l'État n'a pas besoin de travailler. Tout le monde. Tout le monde job. Or, en Haïti, chaque monde qui saute dans l'université, c'est l'État qui obtient, on n'a pas besoin de faire. Donc moi-même, je crois dans l'investissement privé comme le moteur de l'économie. Moi, je crois que grand pile côté que le monde capable d'investir en Haïti dans des petites et moyennes entreprises, dans les provinces comme dans la capitale, donc je toujours encourage au monde. Garder pour une possibilité d'avancer dans ce sens. Voilà, nous allons prendre une pause. Jerry, on a beaucoup à parler aujourd'hui. Nous avons pile bagaille que nous n'avons pas prendre de Jerry, pile nous qui est en diaspora. Et bien, nous sommes capables de comprendre que mes amis nous tarent et vivent dans le pays. Nous pourrons parler du côté de sécurité, justement, Jerry. Comment assurer sécurité de Mounio, là, que vous venez dans l'hôtel Royal Oasis, là. Et déplacement, tout ça. Et ben, c'est que c'est très important pour les gens qui ont gardé, qui t'aiment vite faire vacances ou bien qui t'aiment investi. Donc, on a continué toujours cette conversation avec Jerry. Nous pourrons comprendre, on va retourner tout à l'heure. This edition of Téléimage brought to you by La Parfumerie de Barbara. The best exotic French perfumes and cosmetics from France and Europe.
la parfumerie de Barbara. www.needperfumes.com 516-805-2318. Also brought to you by Teleimage Productions for the greatest moments in your lifetime. Teleimage Productions, videography and photography, masters of ceremonies, MCs, DJs and more. Special packages for the special moments of your life. Teleimage Productions, 516-805-5410. Don't forget to log on to www.teleimagetvshow.com.